Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois pour une émission spéciale sur le plaidoyer en faveur de la pérennisation et du financement durable de l'alimentation scolaire au Sénégal. C'est une initiative portée par Sicodev Afrique. Dans cette émission, nous nous arrêterons plutôt sur la situation actuelle des cantines scolaires au Sénégal, les problématiques et enjeux de mise en œuvre et des défis pour une pérennisation durable et un financement durable de l'alimentation scolaire au Sénégal. Et pour en parler, nous serons avec Mme Vénus Badiane, les responsables suivi, évaluation et apprentissage à l'ONG Contrepartie Internationale. Bonsoir, Vénus. Bonsoir, Diao. Alors, Elhadj Seck, chef de la division des cantines scolaires au ministère de l'Éducation nationale, devrait nous rejoindre plus tard. Il est le représentant du gouvernement. On ne désespère pas de l'avoir dans cette émission. Il y a de l'autre côté aussi Amadou Kanouté, directeur exécutif de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, Sicodev Afrique, membre également du groupe GEMSAN. C'est un groupe qui gère tout ce qui gravite donc autour de l'alimentation scolaire. Bonsoir, Monsieur Kanouté. Bonsoir, Diao. Plaisir de vous retrouver aussi. Le plaisir est partagé. C'est parti pour cette émission spéciale. Alors, madame, c'est quoi la pertinence de généraliser les cantines scolaires au Sénégal aujourd'hui? Donc, merci pour la question et c'est une grande question. On sait, Diao, que sur notre société actuelle, tout le monde a besoin de travailler, et particulièrement les femmes. La première chose, c'est la santé mentale de la femme qui ne se sent plus obligée de retourner à la maison de cuisiner pour les enfants. Et donc, si on regarde que le portefeuille du ménage va majoritairement dans la charge scolaire, donc parlons de la mensualité, du prix de la cantine, du prix du transport, raison pour laquelle la majorité de nos enfants sont dans les écoles privées. Donc, si tout ce dispositif était disponible au niveau des écoles publiques, particulièrement écoles élémentaires, je pense que déjà il y aurait une forte somme qui serait défalquée de la charge du ménage. Deuxième raison prioritaire, là on sait que on est dans un monde qui se modernise de plus en plus. Absolument. Le ministre actuel a dit une phrase très pertinente que j'aime bien et qui a compris l'enjeu des cantines scolaires depuis le début. Donc, en disant que on sait que plus de 50% de la population sont dans nos écoles. Et par conséquent, si on nourrit 50% de notre population à travers nos écoles, on peut parler de souveraineté alimentaire. Donc les deux raisons prioritaires pour lesquelles vraiment on devrait avoir une mise à l'échelle des cantines scolaires et équitable pour tous, sont ici, devant nous. Et l'enfant également dans tout ça, parce que l'enfant a besoin de bien se nourrir Et bien pour sûr, exceller bien dans les sûr, études. il y a eu des études qui ont prouvé, l'université est là pour en témoigner, qui ont prouvé que l'alimentation scolaire est un intrant de qualité pour la performance scolaire des élèves. Donc, les élèves qui bénéficient de cantines ont la chance de pouvoir rester plus longtemps dans l'enceinte de l'école et d'apprendre en toute tranquillité. Deuxièmement, une plus forte concentration en classe parce qu'ils viennent, ils trouvent soit le petit déjeuner et un déjeuner nutritif à travers ces programmes de cantine. Et par conséquent, ont plus de concentration, plus d'assiduité. Donc ces deux critères font qu'on a plus de performance des élèves dans des écoles à cantine
au détriment des écoles sans cantine. Voilà. M. Canoutier, certainement, vous partagez ce qu'elle vient de dire sur les raisons qui doivent pousser les autorités à généraliser les cantines scolaires au Sénégal. Il faut généraliser parce que l'enjeu est là. L'enjeu est là en termes d'équité sociale. L'enjeu est là en termes d'équité territoriale. Diao, vous ne pouvez pas accepter qu'un droit fondamental qui est l'éducation soit biaisé parce que mon enfant n'a pas les moyens de manger avant de venir à l'école, pendant que le vôtre arrive à bien se nourrir et donc à bien suivre les cours. Donc il y a un problème d'équité de ce côté. Un problème d'équité. Il y a un problème d'équité sociale là, un problème d'équité territoriale. Parce qu'on le voit, certaines des zones qui sont justement celles où il n'y a pas de cantine scolaire sont généralement des zones excentrées, des zones qui ne sont pas couvertes par les infrastructures sociales dont on a besoin pour avoir ce sentiment qu'on est dans un même pays. Donc c'est cela l'enjeu. Et c'est pourquoi il faut aller vers l'universalisation. Et notre propos, c'est vraiment de dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées ces dernières années, ou alors pire, ces 6-7 derniers mois, mais il nous faut aller un peu plus vite. Il nous faut aller un peu plus vite parce que l'universalisation, c'est d'abord une volonté, la marque d'une volonté politique. Un gouvernement qui dit nous voulons la souveraineté alimentaire, un gouvernement qui dit nous voulons la justice sociale, elle doit commencer par la lutte contre la vulnérabilité alimentaire, justement chez nos enfants. Et cette vulnérabilité alimentaire peut être source de déperdition scolaire. Exactement. Et Vénus disait tout à l'heure que avec quelques plus de 50% de la population de ce pays qui sont des jeunes, qui sont des enfants, vous devinez bien que si on arrive à aller vers cette universalisation, ça veut dire que nous avons fait un grand pas vers la souveraineté alimentaire. Et donc c'est pourquoi cette question de l'universalisation, vous voyez, ça joue sur tous ces plans, l'équité sociale, l'équité territoriale, la souveraineté alimentaire. C'est vraiment, nous sommes en plein dans les questions qui concernent le plus grand nombre de personnes. Je pense que vous l'avez ébauché tout à l'heure, il y a aussi cet impact sur l'économie locale. Parce que tous ces aliments, cette nourriture qui sera consommée par les élèves, ces produits ici, nos producteurs locaux, même, peuvent en profiter également pour passer un cap. Bien sûr. Et on dit que les cantines scolaires particulièrement, sont une industrie. Donc l'école est une industrie en général. Donc aujourd'hui, si les vivres, les légumes, les céréales, les légumineuses qui sont consommées dans les cantines sont achetées à travers les producteurs locaux. Les organisations de producteurs ou le petit paysan, peu importe. Donc, si on achète les intrants de l'école à travers ces mêmes parents d'élèves qui sont ces agriculteurs, il y a l'économie même du ménage qui se voit augmenter. On peut une pierre deux coups. Tu fais une pierre deux coups. Tu arranges les parents, parce que ce sont ces parents même qui sont... Et regardez déjà la situation aujourd'hui. Les parents cotisent quotidiennement soit 100 francs par élève, soit en vivres. Quand ils finissent de cultiver, ils donnent des sacs de vivres aux écoles. Si on prend juste les chiffres en 2023, sur les 285 écoles, et cumulant vivres en nature et vivres en argent, il y a eu 300 millions, plus de 300 millions en contributions communautaires. Donc les parents eux-mêmes comprennent beaucoup plus l'enjeu des cantines scolaires. Et c'est eux-mêmes qui cultivent et donnent aux écoles gratuitement. Donc imaginez si aujourd'hui l'État fait l'approvisionnement de ces cantines à partir de ces producteurs.
il y a l'économie locale qui va exploser. Mmh. Alors, Monsieur Canoté, vous partagez certainement ce point de vue également. C'est une façon pour l'État de faire coup double, de booster l'économie locale avec les producteurs locaux certainement qui vont y trouver leur compte. Eh bien oui, le modèle sur lequel nous nos partenaires, aussi bien Counterpart que GRDR et les autres travaillent, c'est le modèle des circuits courts. C'est-à-dire, les cantines sont alimentées par des produits principalement issus de l'économie locale, que ce soit les produits des jardins qui sont utilisés comme source de production de légumes, mais aussi les produits qui sont achetés sur le marché local. Et donc, vous voyez que là, la cantine scolaire devient un facteur qui tire l'économie locale. La transformation des produits halieutiques qui entrent dans la cantine scolaire se fait sur place. Et donc, vous voyez tous ces secteurs qui sont impactés par l'alimentation scolaire. Donc, c'est non seulement facteur d'équité territoriale, sociale, mais c'est aussi un élément qui a un effet d'entraînement sur l'économie locale. Imaginez que les communes du Sénégal s'engagent dans ce modèle où les producteurs savent que leurs produits vont trouver un marché directement dans les écoles. Absolument. L'impact, c'est quoi ? C'est de booster la production locale. L'impact, c'est de booster la transformation au niveau local. L'impact, c'est le commerçant du quartier qui trouve aussi un marché avec les produits. Et un autre impact non négligeable également, c'est sur le plan sanitaire. Parce qu'on imagine que les produits qui sont produits ici vont engendrer c'est pas une meilleure qualité d'alimentation. Donc, sur le plan sanitaire, c'est bénéfique pour les enfants. Bien sûr. J'ai un grand-père qui me dit tout ce qui est dans les paquets et les boîtes, si on tentait de les supprimer de notre alimentation, on aurait une meilleure santé. Absolument. Et donc, par conséquent, tout ce qui est produit et consommé fraîchement a bien sûr beaucoup plus d'impact sur la nutrition de l'enfant. Nous avons, en plus de ça, vous savez, les partenaires, quand ils viennent, ce n'est pas simplement pour appuyer, mais ils développent les compétences locales. Donc aujourd'hui, si les femmes, et vous savez que ce sont des cuisinières volontaires, des mères d'élèves, qui se portent volontaires pour prendre en charge ces cantines. Et donc ces mères d'élèves, aujourd'hui, ont reçu des formations de différents projets qui sont passés par là. Je prends l'exemple de Contrepart, bien sûr. Et donc, elles sont formées sur l'hygiène, sur les méthodes de stockage, sur les méthodes de cuisson, sur comment cuisiner sans utiliser les bouillons ou en tout cas des produits industriels. Et donc, ce qui est prouvé, c'est que ces repas sont des repas de qualité. Et sans le moindre effort vraiment demander du gouvernement, parce que les partenaires sont là. Peu importe le niveau ou le besoin en renforcement de capacité, nous sommes prêts vraiment à appuyer avec une mise à l'échelle, avec des outils, avec des supports qui existent déjà. Et Vénus, on est en train de faire le plaidoyer pour la généralisation, mais actuellement, à l'instant T, quelle est la situation nationale? On reconnaît que l'État a fait beaucoup d'efforts. Parce que déjà, que ça fait plus de 15 ans qu'il parle d'alimentation scolaire. Et il y a bien une division des cantines scolaires donc, qui devait être représentée par M. Tsek. Et donc, du coup, depuis ces 15 ans, il y a eu la division des cantines scolaires, bien sûr, au niveau du ministère. Et ils se sont vraiment battus pour déjà commencer. Parce que ce qui était le plus difficile, c'est de démarrer. Donc, ils ont démarré, ils ont eu, ils tentent de couvrir des écoles primaires, préscolaires et même secondaires. Et en attendant, là, on a le groupe Jemsan qui a été mis en place, qui est le groupe multisectoriel
pour l'alimentation scolaire. Mm-hmm. Et donc, cette collaboration multisectorielle, comme vous le savez, l'alimentation scolaire va impliquer l'agriculture, le commerce, l'éducation, l'industrie, la pêche. Donc, tous ces secteurs vont devoir travailler en toute synergie pour pouvoir avoir une bonne mise à l'échelle. Et donc, un arrêté a été signé pour mettre en place et faire fonctionner ce groupe multisectoriel déjà. C'est une grande avancée parce que politiquement parlant, il faut des politiques pour faire avancer ce programme. Et donc, si on commence par l'arrêté, on espère aller vers une loi qui va permettre d'avoir un budget conséquent à l'instar d'autres pays sur les cantines scolaires. Donc ça, c'est déjà une grande avancée que le ministère a bien donné. Donc, qu'à noter pour compléter. Et justement, est-ce que vous avez des chiffres pour qu'on ait une idée de l'état actuel de l'alimentation scolaire au Sénégal? Le dernier conseil interministériel qui s'est tenu sur la rentrée scolaire a bien précisé qu'il y avait 14 330 écoles et établissements qui n'avaient pas de cantine scolaire. Il y a deux ans, 2022, le PAM avait sorti une étude qui disait que seuls 24% des écoles au Sénégal avaient des cantines scolaires. Si on prend ces deux chiffres, les 24% du PAM et les 14 000 établissements qui ont été recensés et présentés lors du Conseil interministériel, ça veut dire qu'on se retrouve vers quelque 76%, 75% d'écoles au Sénégal qui n'ont pas de cantine scolaire. Ouais, ce chiffre, le pourcentage est très élevé. Très élevé. Et alors, c'est là que l'idée de la généralisation dont vous avez parlé à l'entame de cette émission est importante. On voit tout l'enjeu qu'il y a là. Si nous avons, durant les 6 derniers mois, eu des idées comme celle lancée par le conseil interministériel qui a dit il nous faut faire le point sur les crédits, les ressources qui sont affectées à l'alimentation scolaire, ça donne quoi? Nous, on a fait une étude en 2024 pour voir dans le budget du ministère de l'Éducation nationale, qui est de 1 milliards de francs CFA, combien de ce crédit était affecté à l'alimentation scolaire. C'était 1 milliard de francs CFA. Environ 0,11% du budget du ministère de l'Éducation nationale seul étaient affectés à l'alimentation scolaire. Donc, 76% d'écoles qui ne sont pas couvertes. Un budget qui ne représente que 0,11%, ça vous donne une idée de l'état de l'alimentation scolaire. C'est pourquoi nous nous réjouissons quand on entend les nouvelles autorités dire il faut faire le point sur les crédits qui sont affectés à l'alimentation scolaire et aller vers un programme national de cantine scolaire. On voit où ça va aller et c'est ce que nous voulons, c'est la loi. Généraliser, en faire une loi, comme ça on a un ancrage, on a une consécration législative qui fait que les cantines scolaires vont se pérenniser si on met les ressources nécessaires et nous avons une consécration législative. Alors, les chances de pérennisation sont réelles. Alors, quand on entend ces chiffres, on se rend compte quand même que le défi est énorme. Énorme. Et surtout si on se compare à nos pays limitrophes. Une comparaison n'est pas raison, certes. Mais on a des exemples. Et surtout des exemples qui ont appris du Sénégal. Vous savez, ces pays aujourd'hui, je vais donner quelques exemples, comme le Burkina. Le Burkina, entre 2018... et 2023, le budget de l'État concernant les cantines scolaires est passé de 18 à 20 milliards. Donc, en 2018 déjà, ils étaient à 18 milliards. 18 milliards. Et tout à l'heure, vous avez parlé de 1 milliard. Et
Prenons l'exemple du Bénin. Le Bénin aussi a un programme présidentiel pour les cantines scolaires et alloue annuellement 27 milliards. Et je dis annuellement pour les cantines scolaires. Et donc, il couvre, le Bénin a 5532 écoles couvertes entièrement par le gouvernement concernant les cantines. Le Togo a appris ici du Sénégal parce que le démarrage du GEMSAN a été fait en 2021 et le Togo était invité pour apprendre du Sénégal. Et quand ils sont retournés, ils ont partagé l'expérience du Sénégal sur la mise en place d'un groupe multisectoriel et en moins d'un an, la loi a été votée. Donc, si le Sénégal aujourd'hui arrive à avoir cette loi, c'est cette loi qui a des conséquences budgétaires qui permettent de prendre en charge les cantines, même à une couverture. Monsieur Kanoté a dit 24%, mais on parle de 24% pour l'élémentaire. Et si on va regarder, il y a des zones où il n'y a pas de lycée, par exemple. Les enfants sont obligés d'abandonner s'ils ne sont pas dans des zones où ils ont des parents, surtout pour le secondaire. Et donc, si on parle d'une couverture nationale par rapport à toutes les écoles, on est à un peu moins de 20%. Et donc, on va peut-être essayer d'appuyer tout ce processus et accompagner l'État. Et là, on dit que le Togo a pris ici et maintenant ils sont largement devant. Bon, pas largement, mais ils ont au moins la loi. Non, mais ils ont la loi. Et cette loi-là, ça fait partie également des plaidoyers. Vous voulez une loi pour l'alimentation scolaire au Sénégal? En Afrique de l'Ouest, il y a des pays qui ont fait des avancées extraordinaires. Oui. Vous citez le cas du Togo, il y a effectivement une loi depuis 2020 qui institutionnalise l'alimentation scolaire. Si nous avons ce programme que les nouvelles autorités disent vouloir mettre en place à travers un programme d'alimentation scolaire, les cantines scolaires, et que nous explorons les modèles de financement qui sont mis en œuvre par les collègues des organisations opératrices de cantines scolaires. Vénus le dira, quand tu pars dans les zones où elle travaille, réussit à lever des fonds extraordinaires à partir des ménages. Il en est de même de chez ADR, mais aussi des partenariats publics-privés qui ont été testés par les organisations opératrices montrent qu'il est possible de lever des fonds. La coopération décentralisée, les collectivités territoriales. Mais prenez l'exemple du conseil départemental de Rufisque. Voilà un conseil départemental qui prend sur lui de mettre 20 millions de francs CFA pour l'alimentation scolaire. Alors, c'est le genre de modèle de financement qui, quand c'est exploré et quand c'est formalisé, très facilement, je suis sûr que nous allons pouvoir trouver localement, sur les ressources endogènes, les moyens de pouvoir contribuer fortement à l'alimentation scolaire. Le cas du Togo, vous le citez avec la loi. Mais ici, on est à 0,11. 0,11. Ça donne une idée. Et le gap est énorme. Vous parlez de loi. Alors, qui peut porter ce plaidoyer pour qu'on ait exactement la même chose aujourd'hui au Sénégal? Bon, pour exagérer, le président. Mais pour ne pas exagérer, le ministre de l'Éducation nationale. Parce que les cantines, quoi qu'on dise, restent sous le lit, actuellement dans le dispositif du Sénégal, sous le lit du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, si d'abord on arrive à la validation même de ce projet de loi au niveau ministériel, par exemple au niveau des réunions ministérielles, après soumis à l'Assemblée nationale, peut-être qu'on aurait une grande partie ou bien une majorité qui vote, qui peut emmener. En tout cas, le portage doit être fait par le ministère de l'Éducation nationale. Mais il l'a dit, l'alimentation scolaire n'est pas seulement une affaire de l'Éducation nationale. C'est multisectoriel.
Donc, il faut que l'agriculteur participe. Tout à l'heure, M. Kanté l'a dit. Il y a des écoles qui ont fait des champs communautaires, des champs endogènes, mm-hmm. avec des jardins scolaires, donc qui cultivent et qui alimentent mm-hmm. les cantines. Mm-hmm. Et donc, il faut que la pêche aussi participe. Il faut que l'industrie, le commerce, le secteur privé... L'agriculture surtout. Oui, l'agriculture surtout. Donc, si les producteurs donnent une partie de leur production... suivant une loi peut-être, aux cantines, c'est déjà une grande avancée. Ah, c'est déjà une grande avancée. Alors, c'est vrai que vous, les ONG, vous faites une grande partie du travail déjà, et c'est bien. Donc, comment faire davantage pour insister pour que cette loi, par exemple, puisse passer à l'Assemblée nationale? Nous avons beaucoup travaillé avec des parties prenantes pour aller vers cette loi. À commencer par les députés eux-mêmes. Il faut rappeler on va vers des élections législatives. Mmh. Voilà. Il faut rappeler qu'il y a un réseau des parlementaires pour l'alimentation scolaire et la modernisation des DARA. C'est ces députés-là qui disent « Si cette loi arrive ici, nous serons les premiers à la voter. » L'exécutif a traîné. Mais aujourd'hui, quand on entend ce qui est dit par le gouvernement, nous avons une bonne raison de penser qu'une loi portée, un projet de loi porté par l'exécutif, en arrivant à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de raison que ça traîne là-bas. Mmh. C'est des lois progressistes, c'est des lois de justice sociale. Ça, on coûte. Les études qui ont été faites, les exemples sur le terrain, doivent alléger pour le gouvernement la prise de décision si jamais il n'était bloqué que par le côté financement. Mmh. Parce que c'est vrai, toute loi a une contrepartie financière. Et donc, les parlementaires ne peuvent pas faire de propositions de loi parce qu'on leur demandera où sont les ressources pour mettre en œuvre votre proposition. Par contre, l'exécutif a cette possibilité d'initier une loi sur la base des études qui sont faites en montant à l'échelle avec les expériences de financement 300 millions de francs CFA que Counterpart et ses partenaires sur le terrain ont réussi à lever. 300 millions des ménages. Mais alors, vous imaginez quand les ménages, les communautés contribuent pour autant, vous voyez un maire qui va dire je me mets à côté, je ne participe pas à cette dynamique-là. Vous voyez un gouvernement qui, en voyant ses mandants, sa société, dire on y croit à l'alimentation scolaire et nous sommes prêts à mettre jusqu'à 300 millions comme dans le cas des partenaires de Counterpart. Mmh. Mais je ne vois plus de raison à ce que nous puissions traîner. Ça n'est plus le financement qui est la raison qui peut bloquer. Mmh. Mmh. Voilà l'espoir que nous avons pour aller vers cette loi. Et demain, je ne connais pas M. Sec dans cette émission, mais pour revenir sur les engagements du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut retenir qui peut susciter l'espoir? Quand même, nous avons déjà eu le privilège, comme je vous disais en début d'émission, le ministre actuel donc, a été rencontré par les partenaires. Et je vous dis avec une phrase, il a synthétisé tout ce qu'on a voulu dire, en disant que mais 50%, plus de 50% de notre population est dans les écoles. Mais si on règle le problème des cantines, on règle 50% des problèmes de souveraineté alimentaire. Et donc, cette phrase dit tout. Donc, si aujourd'hui, ça déjà, moi, je pense que cette phrase, si elle est automatisée, va régler le problème. Donc, du coup, si on est, disons, à 20%, si le gouvernement déjà définit un objectif de couverture, par exemple d'ici 2025 de 50%, c'est une étape. Et ce qui est bien, c'est que le Sénégal a beaucoup de partenaires qui l'accompagnent dans le cadre des cantines scolaires. Nous avons
Counterpart, et nous avons le PAM, nous avons GRDR, nous avons beaucoup d'organisations à travers le groupe multisectoriel, nous avons le CRET, nous avons l'ARNA, nous avons même l'université, nous avons beaucoup, beaucoup de partenaires qui s'activent autour de cantines scolaires et qui sont prêts à partager la documentation, les expériences, les modèles. Parce que tout à l'heure, comme M. Kanoté l'a dit, il y a même différents modèles qui ont été testés et qui sont opérationnels ici. Voilà, M. Kanoté, sur les engagements du gouvernement. Ben, nous ne pouvons que nous réjouir des engagements qui ont été pris. D'autant plus que, c'est vrai, quand on entend le raisonnement du ministre actuel de l'Éducation nationale, qui a de manière très claire exprimé sa vision par rapport à l'alimentation scolaire, en disant que c'est source de souveraineté alimentaire, mais c'est aussi un moteur qui peut tirer les autres secteurs, comme la production locale, mais aussi le secteur de la confection. Vous imaginez, si on fait des uniformes pour les enfants, ce qui est une des décisions des nouvelles autorités, vous imaginez ce que ça représente pour le secteur de la confection. Donc nous avons là tout un noyau à partir duquel nous pouvons bâtir un développement. Et c'est cette perspective que le nouveau ministre a exprimé quand il a rencontré nos collègues de Counterpart. Alors, on imagine ce que cela veut dire pour eux de faire cela, parce que ça répondra à l'un de leurs engagements de campagne. De dire, nous allons travailler pour la souveraineté alimentaire, nous allons travailler pour l'équité sociale, la justice sociale, et nous allons mettre en place des mécanismes qui permettront de produire. Et c'est ça l'avantage des circuits courts sur lesquels nos partenaires sont en train de travailler. La production locale, imaginez dans la majeure partie des cas où il y a des cantines scolaires dans un établissement, c'est alimenté à partir de jardins agroécologiques, de jardins où les produits sont directement faits et vont dans la cuisine qui permet d'alimenter. Vous voyez ce que ça représente comme effet d'entraînement pour la production locale? C'est tout cela qui fait que, à y regarder de près, nous avons là un outil entre les mains qui peut permettre le développement territorial, le développement local. Et c'est à partir des territoires que le développement global d'un pays peut se faire. Un outil qui peut régler beaucoup de problèmes en même temps. Exactement. Voilà, avec effet d'entraînement. On va suivre tout cela en action avec cette vidéo de Counterpart International sur les cantines scolaires, la volonté du ministère de l'Éducation d'en faire une priorité et l'exemple de ce projet Sokabe Django qui a fait ses preuves. Gouvernement du Sénégal du gëna jox gëdd cantine yi joxé lek ci école yi. Ci ngortel atum jang me yes mi ñuri ni tek jang mi ak jangale bi Mustapha Girassi khatim na dogal bi sos kurel yi seytu dundum xalé yi ci école yi jëngël ji tukki na itam tukki nemeku ngir xam ni école yi di wajale ubité gi Counterpart International nak rafet lu na bu baax ni te jojju ni ngi soñu école Sokabe Django yi yeex ay yu bési ci ñu gëna japp gëna fonk cantine planu taxé saxal bi askanu goxu ndar jëmmal taxna ba témèr ak juroom ñaar fukk école wéy ci doxal cantine yi leen Sokabe Django taxawaloo cantine dina tax élèves yi mëna dess ci école bi wéyal seen jàng lu am jëriñ la ci ëllëgu ñangi ba taxna Counterpart dina and ak ministre bi ñu denk ñangi bi ak ñangale bi ngir cantine yi sax te askan wi mën leen doxal ak seen pexe bopp ubbite école jam ci élève Sénégal yépp. Alors,
Vénus, comment avez-vous pu réaliser tout cela? Au fait, c'est pas une réalisation qui a été difficile parce que nous avons beaucoup d'images et de productions déjà de ce qu'on fait. Mm-hmm. Et donc, Hippolyte, qui a fait un très beau travail à Astonongo, Madame Fall, qui ont beaucoup travaillé sur ces vidéos. Mm. Bon, c'était ce que vous voyez, ces images que vous voyez, c'est la réalité. C'est ça qui se passe quotidiennement dans les écoles à cantine. Mm. Mais c'est que derrière ces images, il y a un travail énorme qui s'est fait en amont pour produire ce résultat. Vous voyez ici, vous avez les femmes qui cuisinent. Mm. Vous avez tout le dispositif, parce que quand on vient pour appuyer, on ne vient pas seulement donner de l'argent, partir, etc. Mais on met tout le dispositif nécessaire en place. On donne les ustensiles de cuisine, on forme les acteurs, on discute avec les parties prenantes, les communautés, on met en place des outils et on suit. En suivant, bien sûr, on a ces images, mais bon, c'est un projet financé. Et si on prend le cas de Counterpart, c'est à hauteur de 25 millions de dollars. Et donc, qui ont permis de réaliser tout ce que vous voyez ici. Mais surtout, je vous dis, ces 25 millions de dollars ne seraient rien sans l'engagement des communautés. Comme vous le voyez ici, ce sont ces femmes qui préparent, qui mettent en œuvre le programme de cantine scolaire. Donc, et sans elle, même autant d'argent qu'on voudrait, ces cantines ne seraient pas possibles. Oui, c'est vrai, c'est ça le plus important. Alors, M. Kanouté, comment les autorités peuvent s'impliquer pour soutenir ce genre de programme sur le long terme? Écoutez, d'abord, il y a un propos tenu par la dame qui résonne très fortement en moi. C'est quand elle dit l'alimentation scolaire est un intrant essentiel de l'éducation. Et cela est particulièrement vrai. On se souvient, le conseil interministériel qui s'était tenu avant ce dernier du 19 septembre avait listé 18 recommandations pour l'ouverture des classes. Nulle part, il n'avait été question de l'alimentation scolaire. Celle-ci, ou ce conseil des ministres interministériel, vous avez vu, a particulièrement insisté sur le fait d'évaluer quelles sont les ressources qui vont à l'alimentation scolaire pour pouvoir se préparer à la mise en œuvre d'un programme. Ça, c'est la reconnaissance que vous avez beau avoir des tables bancs très bien faites, des ordinateurs, des enseignants, si les apprenants viennent la faim au ventre et n'arrivent pas à se concentrer pour écouter ce que dit l'enseignant, c'est peine perdue. Donc cette première reconnaissance est vraiment quelque chose dont il faut se féliciter. Pour que les autorités aillent dans le sens, nous ne pouvons que les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous, notre plaidoyer portait sur la nécessité d'abord de reconnaître l'alimentation scolaire, de formaliser cela. Nous l'avons déjà avec cette signature de l'arrêté du groupe multisectoriel pour l'alimentation scolaire. De un. Deux, on nous dit, nous allons aller vers l'évaluation des fonds pour l'alimentation scolaire. Nous sommes prêts à mettre toutes les ressources, les recherches que nous avons pu faire à la disposition du gouvernement pour pouvoir faire ça. Trois, ils vont aller vers un programme national de cantine scolaire. Nous mettrons à leur disposition toutes les informations, les enseignements que nous avons tirés et des modèles de financement qui ont été développés par les partenaires. Toute la vision autour de l'alimentation scolaire aujourd'hui, elle est très claire. Mais il nous faut aller vers une stratégie nationale de développement de l'alimentation scolaire qui d'ailleurs est engagée et par le ministère et la Commission nationale
de développement de la nutrition et la FAO. Il nous faut prendre tout cela pour qu'on puisse dire, d'ici les 5 prochaines années, on sait la situation de référence en septembre 2024, c'est 14 000 écoles qui n'ont pas d'alimentation, de cantine scolaire dans les 5 prochaines années. Voilà ce que nous allons faire. Dans les 10 prochaines années, voilà ce que nous allons. Ça, nous sommes prêts à accompagner le gouvernement sur cette piste. Je vais poser la même question. Comment est-ce que les autorités peuvent accompagner ce genre de programme? En mettant, comment les autorités peuvent accompagner ce genre de programme? C'est en mettant plus de sous? Oui, il ne s'agit pas seulement de sous. Donc, bon, le gouvernement américain, Counterpart, met en œuvre ce programme à travers le financement du gouvernement américain, l'USDA, qui est le département de l'agriculture du gouvernement américain. Mais donc, accompagner ce programme, c'est bien sûr la mise en place des ressources. Mais n'oublions pas qu'il y a différents types de ressources. Il y a les ressources financières, mais il y a les ressources matérielles et il y a les ressources humaines. Et donc, les ressources humaines commencent par les politiques. Donc, il faut je pense, mettre en œuvre la politique nationale de l'alimentation scolaire qui donne une vision claire de où est-ce que le pays... La vision, elle est importante. ...veut aller. Voilà. Parce que toute personne qui appuie, que ce soit toute aide extérieure ou même nationale, parce qu'on sait qu'actuellement... la gestion des cantines est tripartite. Il y a les partenaires, il y a les communautés et il y a l'État. Mais les communautés appuient très fortement, presque à l'équivalence d'un coût de programme. Et donc, là où on peut aider l'État à contribuer beaucoup ou à prendre en charge beaucoup plus fortement, c'est d'abord mobiliser ses ressources humaines nécessaire pour mettre à l'échelle cette vision. Il faut d'abord que la vision existe, ensuite que le programme se mette en œuvre, qu'il y ait un plan stratégique qui décrit qu'est-ce qu'on veut faire, à coût de combien, quelle activité, avec quels acteurs, etc. Et partager, donner ses rôles et responsabilités à chaque niveau d'acteur. Donc que ça soit au niveau local, qu'au niveau régional et qu'au niveau national. Au niveau national, je pense que M. Elagisek est là, il va nous rejoindre tout à l'heure, même s'il nous reste très peu de minutes. Alors, pour parler de cet accompagnement de l'État, comme il vient de le dire, ce n'est pas que de l'argent, il y a une vision à proposer et à suivre de manière scrupuleuse. D'abord, une vision et une politique. Quand on a une vision claire, ça permet de dire, voilà la politique que nous allons mettre en place. Et sur la base de cette politique, alors les autres parties prenantes peuvent vous accompagner. Imaginez si nos partenaires travaillent à pousser la mobilisation sociale autour des cantines scolaires. La levée de fonds par des mécanismes endogènes par lesquels les communautés disent nous sommes prêts à nous engager. Est-ce que c'est à travers les céréales qui sont données? Est-ce que c'est à travers les espèces que nous pouvons donner? Tout ça, c'est le travail de la société civile. Donc, c'est non seulement mettre à disposition les connaissances qui ont été générées sur l'alimentation scolaire, c'est aussi travailler à la base, à la mobilisation communautaire, c'est aussi travailler avec les collectivités territoriales pour ensemble faire, comme ce qui a été fait à Rufisque, quand le maire, le maire de Bambilor met 20 millions de son budget pour l'alimentation scolaire, alors ce genre de travail, les organisations de la société civile peuvent le faire pour accompagner l'État. Voilà, merci. Monsieur Elagisek, que vous êtes excusé pour le retard. Vous venez de nous rejoindre. Bonsoir d'abord. Bonjour, merci de m'avoir invité à participer à ce débat assez intéressant autour des cantines scolaires. On a pris beaucoup d'avance, mais on va vous poser la
la question qui s'y est, puisque vous êtes chef, je pense, de division, la division des cantines scolaires au ministère de l'Éducation nationale. Quels sont les engagements donc qu'on peut attendre, ou bien que vous avez pris pour l'alimentation scolaire au Sénégal? Merci à tout le monde. Donc bonjour d'abord aux téléspectateurs qui nous suivent. Et bonjour à M. Panouté et Mme Vénus, des partenaires avec qui nous travaillons tous les jours dans le cadre même d'un groupe multisectoriel qu'on appelle GEMSAN. Et je pense que c'est tout à fait heureux de partager avec eux ce plateau pour parler un peu de l'alimentation scolaire et voir dans quelle mesure nous pouvons en tout cas les développer partout au Sénégal. Je pense que, permettez-moi encore une fois tout d'abord de parler, je pense que ça ne sera jamais de trop de l'importance des cantines et la place qu'elles occupent aujourd'hui au sein du ministère. Je pense que sans doute son importance est avérée et c'est confirmé que quand il y a des cantines fonctionnelles dans des écoles, ça permet un peu de relever le taux de fréquentation mais également la réussite scolaire. Et c'est un instrument efficace de lutte contre les vulnérabilités qui parfois plombent un peu les performances des enfants. Et booster également la production locale. La production, voilà. Quand elle est articulée à la production locale, les cantines constituent un moteur de développement local. Mm-hmm. Parce que le plus souvent, les communautés ont du mal à écouler leurs produits parce que tout simplement il y a un déficit de marché qui leur permet de rentrer dans leur investissement. Et quand les cantines se positionnent comme un marché institutionnel, par nature stable, ça leur permet quand même de se développer. En dehors de ça, les cantines constituent un cadre également d'apprentissage et d'éducation à la nutrition. Maintenant, fort de tous ces avantages, le ministère de l'Éducation nationale a bien pris en compte les cantines dans les politiques publiques, notamment dans le paquet, comme instrument de lutte contre, je l'ai dit, les vulnérabilités. Mm-hmm. Mais également, depuis 2 ou 3 ans, il y a un fort engagement de l'État pour augmenter les ressources dédiées aux cantines. Mais même si les chiffres, pour le moment, ne sont pas très, très élevés en termes de contribution, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça monte vraiment? Oui, ça va monter parce que c'est heureux de constater que lors de la dernière réunion interministérielle pour la préparation de la rentrée, son excellent Premier ministre a pris vraiment une directive en direction des cantines pour demander un peu comment d'évaluer les crédits nécessaires pour en tout cas augmenter la couverture. Je pense que nous avons toujours eu par le passé des engagements, mais un engagement de cette nature qui semble être un engagement vraiment opérationnel, n'a jamais été tenu et ça nous donne vraiment espoir que les cantines véritablement vont connaître un développement. Alors, le plus important, c'est de trouver des solutions durables et modèles de financement. Alors, comment y arriver? C'est évidemment, ça commence. Donc déjà, je salue M. Seck vraiment qui se donne corps et âme et qui se bat chaque jour pour vraiment le développement de ces cantines scolaires. Donc, d'abord, par la loi. Aujourd'hui, à travers une loi qui institutionnalise le financement des cantines scolaires, on peut facilement être ambitieux pour une mise à l'échelle. Donc, déjà, je le disais, qu'il y a l'arrêté qui formalise le fonctionnement du groupe multisectoriel à travers une coordination interministérielle autour des cantines. Si on passe à l'obtention d'une loi qui va favoriser le financement de l'alimentation scolaire pour une mise à l'échelle, c'est déjà une grande avancée. Et donc, corrélé à la vision du ministère sur une couverture durant une période, il y a tous les acteurs, on peut dire, on est, si c'était l'armée, on est dans les rangs pour vraiment accompagner le ministère à être au rendez-vous de sa vision.
à côté du financement public, il y a également d'autres moyens de trouver de l'argent avec le financement communautaire qui peut être intéressant aussi dans cette histoire de l'alimentation scolaire. C'est ce à quoi nous les invitons, d'aller voir ce qui est en train de se faire sur le terrain. Comment les communautés s'engagent? Quels sont les moyens par lesquels? Nous avions trouvé dans une de nos recherches que dans les quartiers périphériques, chaque matin, les ménages, la maman, donne 100 francs à son enfant pour aller à l'école et ça doit lui servir et pour son petit déjeuner et pour son repas de midi. Vous savez, quand vous avez la possibilité alors de récupérer ces 100 francs-là, ça devient la contribution du ménage. À côté de cela, les partenaires contribuent. Et l'enfant ainsi a la possibilité d'avoir un repas chaud le matin, un repas chaud à midi, ne serait-ce que 3 fois par semaine. Alors, nous avons là des mécanismes sur lesquels on peut bâtir. À côté de cette contribution des ménages, il y a les communautés, les producteurs qui disent, nous, on peut donner les céréales, que ce soit le riz, le mil, les producteurs maraîchers disent, on peut contribuer de cette manière-là. Mm-hmm. Vous voyez, quand on met ensemble tous ces éléments, Djawo, on voit tout de suite qu'à partir de l'engagement communautaire, à partir des possibilités des ménages à contribuer, quand les partenaires extérieurs voient ça, ils sont plus engagés. L'État fera de même. Les collectivités territoriales feront aussi de même. Et l'inscrivent dans leur budget. Et c'est surtout ça qu'il faut faire. Faire en sorte que les collectivités territoriales inscrivent cette ligne dans leur budget annuel, que l'État, dans le budget central, dise aussi, c'est ma mission régalienne de nourrir les enfants de ce pays. Je suis prêt à mettre tant de milliards de francs CFA. Le temps est presque fini. Alors moi je sais que, est-ce que l'État peut activer ses leviers, notamment le secteur privé, les collectivités territoriales, pour mieux aider au financement de l'alimentation scolaire? Oui, bien sûr. Je pense que tout ce que vient de dire M. Kanouté, également M. Mambenus, c'est déjà dans l'organisation et dans l'optique du ministère de l'Éducation nationale, de l'État en général. Je pense que on ne peut pas bâtir des cantines pérennes sans une appropriation parfaite des communautés. Quelle que soit la volonté de l'État, si les communautés ne s'engagent pas, on ne pourra jamais atteindre cette pérennisation. L'État, ce que j'appelle les acteurs nationaux, que sont l'État, les collectivités territoriales, la société civile, donc ce groupe d'acteurs nationaux doivent porter le financement et à la tête l'État. Et à côté, maintenant, il faut véritablement permettre aux communautés de contribuer. Parce qu'une chose est de vouloir contribuer, l'autre chose, c'est d'avoir les capacités de contribution. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation nationale, en rapport avec ses partenaires, travaille à capacité, à donner les moyens à ces communautés pour participer à cette construction des cantines scolaires. Maintenant, sur la question du financement par rapport au budget de l'État, je pense que il y a beaucoup de pression budgétaire pour ne serait-ce que le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, il y a un déficit criard d'enseignants. Aujourd'hui, il y a un déficit criard de salles de classe. Est-ce que on ne peut pas avoir des cantines sans plus autant avoir des écoles viables? Donc, cet arbitrage entre cet équilibre à chercher entre avoir des enseignants de qualité, avoir des cantines vraiment pérennes, avoir des enseignants, des classes à suffisance, constitue quand même un jeu d'équilibre qui permet à l'État de dire pour les cantines, véritablement, ce que je peux mettre pour le moment, c'est X francs. Maintenant, avec la participation des communautés,
et la participation du secteur privé, avec la participation également des partenaires, mm-hmm. ensemble nous allons atteindre tel objectif. Parce mm-hmm. que l'État seul ne peut pas véritablement porter mm-hmm. Le financement des candidats. C'est l'affaire de tout le monde, c'est l'école de la société, c'est l'école de la communauté. Tout le monde devrait pouvoir participer à ce financement. Merci, M. Seck. Le dernier mot pour Vénus, une note d'espoir. Oui, donc une note d'espoir, j'enlève mon boubou de partenaire et je mets mon boubou de femme sénégalaise. Aujourd'hui, si je peux me permettre d'aller travailler tranquillement, c'est peut-être parce que je sais qu'à midi, je ne suis pas obligée d'aller prendre mon enfant à l'école parce que tout simplement, il a où manger en toute sécurité. Et donc, si je ne suis pas obligée de payer l'école en plus de ça, je serai vraiment heureuse et je pense que c'est le mot de toutes les mères mm-hmm. du Sénégal. Et donc, effectivement, ensemble, c'est une affaire de plusieurs parties. Comme l'a dit M. Seck, il ne s'agit pas seulement de l'État, mais c'est surtout de l'engagement. Et je pense qu'un parent ne refuserait pas de contribuer pour que son enfant mange à l'école, vu que ça le libère pendant un temps pour qu'il puisse aller travailler convenablement et en toute tranquillité. Vraiment, j'encourage tout le monde à appuyer notre gouvernement et sa vision pour aller là où il veut aller sur la couverture nationale. Alors, merci Mme Vénus Badiane qui était là avec nous. Elle est responsable du suivi, évaluation et apprentissage à l'ONG compte porte international à Amadou Kanouté de Sikodev Afrique et à Elhadj Seck également. Là, je sais que vous voulez ajouter un mot. Surtout lancer un appel pour toute la communauté éducative du Sénégal, parce que la journée du 5 octobre est dédiée à la propreté des établissements mm-hmm. pour préparer la rentrée scolaire. Mm-hmm. Ça s'inscrit dans le cadre global de Setel Sunyu Rew, mais à l'occasion, le samedi de chaque mois, donc l'État du Sénégal, dans tous ses démembrements, organise cette journée. Et nous sommes à la 6e édition. Mm-hmm. Et cette édition, qui coïncide avec l'ouverture des classes, est dédiée à la propreté des écoles et des établissements mm-hmm. pour pouvoir accueillir dignement nos enfants. Et chaque autorité aujourd'hui est amenée à aller quelque part pour mobiliser toute la communauté autour de l'école pour que véritablement cette rentrée puisse se passer normalement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette émission spéciale consacrée à l'alimentation scolaire. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.